Cette douce blonde qui marche tranquillement en admirant les buissons s'appelle Marine. Marine a 26 ans, elle est orthophoniste. Elle aime l'Italie, écrire des chansons, mais n'aime pas les gens tristes dans le métro. Vous l'avez compris, Marine est une romantique. Et voici Camille, toujours blonde mais bouclée cette fois. Camille a 27 ans, elle est kinésithérapeute. Elle aime laisser faire le hasard, découvrir le monde, mais n'aime pas ne jamais rien trouver dans son sac. Les deux amies vont se retrouver chez Marionneau pour régler un problème de taille, le démaquillage. Je suis venue aujourd'hui chez Marionneau avec mon amie Marine pour avoir des conseils sur un bon démaquillage. J'espère que Olinda va nous donner tous ses petits secrets pour pouvoir avoir un démaquillage parfait. Il n'y a pas d'âge pour le démaquillage et c'est Camille qui s'y colle dans la cabine de notre bien-aimée Olinda qui va nous expliquer comment devenir une experte. Bonjour madame. Bonjour. Je vous accompagne en cabine. Alors, il faut savoir que c'est très important de se démaquiller. Pour cela, vous avez différentes techniques de démaquillage et différents produits. Vous avez, dans un premier temps, l'huile démaquillante. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle le lait démaquillant. Là, je le conseille plutôt pour les peaux fragiles. Vous avez également, pour tout type de peau, en fait, des mousses démaquillantes nettoyantes. Donc là, aujourd'hui, par rapport à votre type de peau, je vais vous conseiller plutôt l'huile. En termes d'hydratation, de meilleure qualité de peau et même de vieillissement de la peau, c'est vraiment la base. Donc il est très important de se démaquiller donc, tous les soirs. Le démaquillage est la base, vous avez entendu? Je vais vous faire découvrir l'huile démaquillante. On l'applique dans le creux de la main et on émulsionne avant de l'appliquer sur l'ensemble du visage par mouvement circulaire. Ce qui va permettre vraiment d'avoir un démaquillage parfait. C'est idéal pour votre peau, hein, étant donné que vous avez une peau sensible. Hein. Ensuite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Ouais, donc là, vous allez avoir l'effet un petit peu lacté que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, avec l'eau. C'est très agréable. On rince très légèrement sans appuyer sur la peau à l'eau tiède, à l'aide de gants de toilette ou d'une éponge. Pour parfaire le démaquillage, on applique une lotion sur l'ensemble du visage, toujours dans le creux de la main, et on l'applique très légèrement comme à l'image. Quand vous avez une peau sensible, ça évite en fait d'appliquer du coton et d'avoir des frottements. Et on essuie évidemment. Votre peau est prête à recevoir justement les soins. Je vous laisse la toucher. Comment ressentez-vous votre peau? Elle est agréable, hein? Voici l'ordonnance beauté de Marine. Geste 1. Choisir son démaquillant. Huile démaquillante lactée, Marionneau. Geste 2. Préparer la peau aux soins. Lotion tonique douceur, Marionneau. Alors, je viens de retrouver Marine. Elle est ravie. Olinda lui a dévoilé plein de petites astuces. Donc, je pense que maintenant, elle maîtrise parfaitement l'art du démaquillage. Marine est ravie. Elle repart tranquillement avec tous ses produits dans son sac et les conseils d'Olinda bien en tête. Merci les filles, à la semaine prochaine. Marionneau, à chaque jour sa beauté.